Tu as l'air d'une fille vraiment bien, mais je crois que Santiago n'a pas été très sincère avec toi. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne serais pas surpris qu'il te trompe, Daniela. La vérité? Oui. Il ne t'a pas dit qu'il a une fiancée et qu'il va se marier avec elle? Et tu veux marcher? Non, Daniela, mais pourquoi j'irais perdre mon temps à aller inventer une histoire pareille? Ah, attends, ça y est, j'ai tout compris. C'est sûrement cette bouteille de parfum ambulant qui t'a envoyé me dire que c'est la fille pour lui, non? Mais de qui tu parles exactement? Mais qui ça peut bien être? Cette petite sainte me touche. Tu penses à Sandra? Non, Daniela, Sandra n'y est pour rien. Et personne d'ailleurs. Je te le répète, je suis ici parce que je ne veux pas que Santiago te fasse ce qu'il a fait aux autres filles comme toi. C'est pas sympa de parler de ton frère comme ça. Non, moi je trouve que c'est pas bien. Ok, mais au moins je t'aurais averti et je me sens libérée. Mais comme tu préfères faire l'ignorant jusqu'au bout, salut. Non, attends un peu, attends. Et si ce n'est pas cette minette qui t'envoie? Comment je sais que tu ne me mens pas? Parce que si ce n'est pas elle qui t'a convaincu, eh bien alors, c'est peut-être ton père ou ta mère pour que je laisse tomber Santiago. Mais tu n'as pas encore compris que personne ne m'envoie? Je n'y gagne rien. Ça me gêne beaucoup que Santiago traite les femmes comme ça. Et tu sais, je sais qu'il n'est pas la première ni la dernière à qui il va faire ça. Mais depuis que je t'ai vu chez moi, tu m'as paru super sympa et très gentil. Et moi, je voudrais pas que tu souffres. Alors si je comprends bien, je t'ai tellement fait des fesses ce jour-là que tu as décidé que je ne dois plus sortir avec ton frère? Non, Daniela, enfin, si, tu me plais bien. Mais ce n'est pas toi le problème, c'est Santiago. Personne ne l'intéresse sauf lui, c'est un coureur. Il prend les femmes comme un hobby, il les utilise, elles tombent amoureuses et puis il les quitte. Non, il n'est pas comme ça. Ça, c'est parce qu'il cache bien son jeu. Il sait exactement quoi dire à toutes les femmes qu'il rencontre. Moi, je veux seulement t'aider. Londres, Angleterre. Mon amour, je te connais bien. En général, tu as un mal fou à contrôler tes impulsions. Et que veux-tu que je fasse? Que je reste là, assise les bras croisés, en attendant que cette vagabonde vienne me piquer Santiago? Non, mais ce n'est pas une excuse pour être violente et lui crier après comme ça. Mais attends, tu adores exagérer. Je n'ai jamais été violente avec lui. Ah. Chérie, je suis ta mère. Je te connais parfaitement bien. Je sais que quand tu es fâchée, tu ne réfléchis pas et tu fais n'importe quoi. Non. Tu ne sais rien du tout, maman. Si je suis revenue vivre ici, c'est parce que je voulais reconquérir Santiago. Tu sais que je l'aime. Non, je dirais plutôt qu'il t'obsède complètement, ma chérie. Oui, c'est ça. Ça m'est égal. Il est tout pour moi et personne ne me le prendra. Eh bien, utilise ta tête, ma chérie. Et ne fais plus de bêtises pareilles. Je te dis une chose, maman. Je serai capable de tuer quelqu'un pour ne pas le perdre. En fait, c'est vraiment cool d'avoir un beau-frère aussi sympa que toi, hein? Parce que c'est sympa de vouloir protéger les copines de ton frère. La petite Sandy Touche doit être vraiment reconnaissante. Tu parles encore de Sandra? Je ne disais pas que Santiago avait une fiancée et qu'il allait l'épouser? Alors, comme on dit, tu aurais bien un petit faible pour ta belle-sœur. Écoute, si tu veux voir les choses comme ça, Daniela, eh bien soit. Mais non! Tu aimes bien les histoires, hein? C'est Santiago qui a dit lui-même à Sandra qu'ils ne sont plus ensemble ni même amis. C'est elle qui est de trop! Écoute, Daniela, ce mariage a été arrangé depuis longtemps entre nos deux familles. Mes parents et les siens se sont mis d'accord. Non, puisque je te dis que non! Alors comment tu expliques que Sandra vive chez moi en ce moment? J'ai même accompagné Santiago pour acheter la bague de fiançailles. Il a acheté une bague? Daniela, calme-toi. Ne me touche pas. Calme-toi, Daniela. Ça va aller. Daniela. Alors si elle a une bague, ça veut dire que c'est vraiment sérieux. Et si c'est sérieux, ça veut dire que Santiago est un menteur. Et c'est ça qui me tue. Que je me sois fait des illusions pour un montant pareil. Comment je fais moi pour l'oublier maintenant, hein? Tu sais quoi, merci beaucoup. Grâce à toi, je suis vraiment mal. Non, Daniela, attends, s'il te plaît. Tu l'aimes tellement que ça, Santiago? Daniela, pardon. Je regrette tout ce que je t'ai dit. Quoi? Tout ce que je viens de te dire était une blague. Une blague de très mauvais goût. Mais qu'est-ce que tu dis maintenant? Mais comment ça une blague? Mais tu rigoles, hein? Comment ça une blague? Mais comment ça une blague? Calme-toi.
Mais non, c'était un test en fait. Je voulais savoir si tu étais autant accroché à mon frère que lui il est à toi. Mais pourquoi tu ne veux pas faire ça? Attends, Daniela, calme-toi. Calme-toi. Tiens, Santiago arrive. Calme-toi. Allez, arrête, j'avais oublié que j'avais un rendez-vous. Il arrive. Salut. Salut, Santiago. On se voit à la maison. Daniela. Tout va bien? Oui. Ça va. Tu arrives tôt. Il s'est passé quelque chose? Oui, oui, il s'est passé quelque chose. C'est Santiago. Et sa charme a continué avec cette pauvre fille. Oui, je sais, il est venu ici faire un scandale aussi. Il va falloir faire quelque chose. Ça ne peut pas continuer. Oui, je sais. Sandra et moi, on s'occupe de ce petit problème et crois-moi, on va très vite le régler. Ah bon? Eh bien, explique-moi un peu comment, parce que moi, je vois que mon fils est complètement fasciné par cette bonne à rien. Et on sait très bien que quand c'est comme ça, rien ne peut raisonner les hommes, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire qu'il va se marier avec elle. Nous en sommes l'exemple parfait. Toi, tu étais obsédé par la défunte Daniela, non? Je te préviens, une bonne fois pour toutes, n'aborde plus ce sujet. La classe va bientôt commencer. Mais dis-moi, dis-moi la vérité. Pourquoi tu as amené ton frère? Il voulait te connaître. Et je voulais qu'il voie comme tu es belle. Pourquoi? Il t'a dit quelque chose de désagréable? À moi? Non, non, non. En fait, il est plutôt sympa. Ce qu'il y a, c'est que... Eh bien, personne ne m'aime dans ta famille. Non, non, ils sont tous très gentils. Non, ne crois pas non, ça. Non, mais si, ils sont tout en pleurs. Tu te souviens la première fois qu'on s'est vus? J'en ai mal au ventre rien que d'y penser. Non, Daniela, mon père est un homme bien. Seulement ce jour-là, il est allé un peu trop loin. Tu vas devoir me croire. Pourquoi? Parce que très bientôt, tu vas devoir cohabiter avec tout le monde. Éloigne-toi de mon fils, ou je suis capable de n'importe quoi. De n'importe quoi. Dis-moi... Tu peux me dire la vérité? Pourquoi est-ce qu'elle habite chez toi, Sandra? C'est de l'amour ou de l'obsession, ce que je ressens pour toi, Santiago. Je ne sais pas. Je pense à toi sans arrêt. Bon, tu vas continuer à m'ignorer ou tu vas me dire ce qui se passe avec Sandra? C'est qui exactement? Écoute, Daniela, je ne vais pas te mentir. Je pense que Sandra est chez moi parce qu'elle veut se rapprocher de moi. Ah, d'accord, bien, ça promet ça. Mais rassure-toi, aucune autre femme ne m'intéresse. Il n'y a que toi. Eh bien, alors dis-lui de ne pas te courir après, mets-la à la porte et qu'elle fasse sa vie. Mais je peux pas, Daniela. Elle est invitée par ma mère. Ah, eh bien, c'est moi qui vais m'en charger, alors. Je vais aller lui dire en face qu'elle arrête un peu, qu'elle t'oublie pour de bon, parce que maintenant, tu es pris. Et prépare-moi. Écoute, si je suis là, c'est pour séduire Santiago. Et je ne bougerai pas d'ici avant que je n'ai réussi. Ah, fais attention, bon sang. Enfin, si je partais, eh bien, ce serait pour une lune de miel. Non, 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 je n'ai pas oublié. Non, c'est juste que cette paumée l'a complètement ensorcelée. Qu'est-ce qu'il y a au travail? Allez. Je ne t'avais pas dit.
Non, c'est une folle qu'on surnomme Imagine la pauvre diable. Enfin, une zéro, quoi. Elle n'a aucun goût, s'habille d'une façon horrible. Mais tu sais, les espèces de sandales en plastique. En plus, elle doit avoir des parasites tellement elle sent mauvais. Allô? Letty? C'est la barbe, ce téléphone, bon sang. Letty, pardon, ça s'est coupé. Je termine de te raconter. Tu vas continuer encore longtemps à te cacher et à m'éviter, Sandra? Sortez, s'il vous plaît. Ça va, Diego? Tu viens à ton oncle, t'envoie ça. Merci. De rien. Je les retrouverai. On se parle demain. Gardien! Gardien! Je dois passer un appel! Vérifiez les signes vitaux. Ok, allez voir le conducteur. Oui, monsieur. Pas de fou, il ne respire plus, il est mort. D'Angelo. Laissez-moi votre message. Il va falloir que je rappelle demain. Ils ne répondent pas. Porte 7! Mais j'hallucine. Je lui ai dit de mettre cette minette insupportable à la porte, mais il ne peut pas parce qu'elle est invitée de sa petite maman. Comment ça? Tu sais quoi? Si c'était moi, je dirais en face que soit elle dégage là tout de suite sur le champ, sinon tout est fini, on n'en parle plus, t'entends ça? Tu vois, c'est simple? Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Enfin, comment c'est possible un truc pareil? Qu'elle dorme sous le même toit que lui, alors que moi, on dirait carrément que j'ai la peste. Non, je te jure, c'est vraiment le comble. Oh, vraiment, c'est dingue, hein? Tiens, si cette fille était du quartier ou si je la croisais, elle aurait affaire à moi, je te jure. Et si je la vois s'approcher de Santiago, alors là, je lui arrache les cheveux. Ouais, tu ferais mieux de te détendre parce qu'elle n'est pas du quartier et tu ne dois pas la croiser. Alors si j'étais toi, je me contrôlerais un peu parce que t'as pas le choix, hein. Mais oui, c'est. Et je ne vais lui laisser aucune marge de manœuvre pour qu'elle vienne tout chambouler ou qu'elle le pique, hein. Plutôt lui arracher les cheveux et puis... Ah, mais t'en prends pas à moi, hein. Non, calme-toi, hein. Excuse-moi, ça m'énerve tellement que... Ah, ben c'est pas marrant, quand même. Tenez, voici votre cognac, madame. Merci. Retire-toi. Va-t'en. Bonsoir. Bonsoir, mon chéri. Maman, papa. Ça va, mon chéri? Bien, bien, j'ai des nouvelles. Quoi? De quoi s'agit-il? C'est bon ou mauvais, vous décidez. Mais mon frère m'a emmené voir la petite morveuse, la traînée, la diablesse, celle avec qui il sort. Et on dirait qu'il s'aime vraiment et que la relation est sérieuse. Enfin, ce que j'en ai vu. Ah, c'est impossible. C'est une bonne à rien, une mendiante répugnante comme tout. Eh bien, maman, je te dis que c'est une fille très jolie. D'ailleurs, ça m'a fait rire car on dirait une top modèle déguisée en fille des rues. Elle a même de la classe. Ah, je t'en prie, Anthony, je n'arrive pas à le croire, vraiment. Mais tous les hommes sont donc pareils, tous. Ah, rien du tout les attire. Allez, toi, Horatio, toi qui l'as vue, dis-moi. Quoi? Tu la trouves jolie, cette fille-là? Belle? C'est... C'est une vulgaire fille des rues, une simple fille sans classe. Voilà ce qu'elle est. Bien sûr. Et laisse-moi te dire une chose, Anthony. Attention. Attention parce que ce genre de femme, il y en a absolument partout. Ça gouille. Et elles savent toutes parfaitement bien ce qu'elles veulent. Tout ce qui les intéresse, c'est de tomber enceinte. Pour pouvoir piéger un homme riche. Et pour se faire entretenir avec leurs enfants.
Ce que je vais faire, moi, c'est de m'assurer que ceci n'arrive jamais dans notre famille. Mmh. Allez, viens, viens là. Bon, maintenant, il faut que je trouve un travail. Mais t'as déjà du travail. Et beaucoup. Oui, mais un vrai travail, cette fois. C'est la seule chance que j'ai, tu comprends, de pouvoir faire concurrence à cette fille, cette Sandra. Il faut que je devienne une fille respectable. Ah, t'es on dirait ma mère, là. Oui, parce qu'elle sait comment ça se passe, elle. Bon, ben d'accord, au boulot alors. Mais tu vas venir avec moi, j'espère. Quelle question, Daniela? Je t'ai déjà laissé tomber ou quoi? Bon, alors on se retrouve demain, d'accord? Ah, ok, t'es d'accord. Ah, mais tu vas trop vite, arrête! Ça faisait longtemps qu'on le faisait. Bonsoir, ça va? Salut, Augustin. Salut. Eh bien, je voulais savoir si je pouvais te parler pas longtemps, juste une ou deux minutes, enfin, en privé, quoi. Attends, Daniela et moi, on fait qu'une, tu vois? Où elle va, moi j'y vais aussi. C'est pas vrai, Daniela? Eh oui, c'est vrai. Et en plus, qu'est-ce que tu vas lui dire en privé, hein? C'est privé, je te dis. Alors, 5 petites minutes. Allez. Bon, c'est d'accord. Tu m'attends, hein? Je reviens. Ah, viens là, mon chien. De quoi vous avez parlé? Elle ne t'a rien dit? Non, en fait, on a parlé d'autre chose, mais... T'as vu comme elle est belle? Tu l'as trouvée comment? Eh bien oui, c'est vrai, elle est très belle. Son seul péché, c'est d'être pauvre. Être pauvre n'est pas un crime, Denis. Ça me surprend venant de toi. Oui, eh bien dans notre famille, être pauvre, c'est un péché mortel. Oui, mais c'est pas ça l'important. Non, l'important, c'est que dans cette famille, elle ne sera jamais acceptée. Et maman et papa sont très inquiets au sujet de cette aventure. C'est pas une aventure. Je vais me fiancer avec elle. Vraiment? Oui. Pour combien de temps? Aussi longtemps qu'il le faudra. T'en dis quoi? Non, franchement, je ne sais pas, je ne suis pas la personne la plus indiquée pour ça. Moi, je préfère faire ce que nos parents disent et je crois que je choisirai une fille comme Sandra. Une belle fille, riche. Et entre toi et moi, si elle est un peu bébête, encore mieux. T'es incorrigible, Tony. Non, je suis réaliste. La dernière chose que je cherche, moi, ce sont les complications. Eh bien, j'en ai parlé à papa. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, tu peux imaginer comment il a réagi. Et malgré ça, tu veux quand même... Oui, oui. Et dès ce qu'ils veulent, je vais marier avec elle. Entrez. Bonsoir, mon fils chéri. On peut parler? Bien sûr, maman. Santiago. Santiago, tu vas devoir être raisonnable et m'écouter. Ta relation avec cette fille ne peut pas continuer. Elle s'appelle Daniela, maman. Et tu ne peux pas contrôler mes sentiments. C'est pour ton bien. Moi, tout ce que j'essaie de faire, c'est de te conseiller comme je peux, car je suis ta mère. Pourquoi? Pour que je sois malheureux? Maintenant, tu vois ça comme ça, parce que tu es jeune et idéaliste. Et c'est quoi, maman? Je préfère vieillir en restant idéaliste toute ma vie. Pour moi, l'amour, c'est Daniela, et je pense me marier avec elle. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Eh bien, c'est dommage que tu penses comme ça. Car étant ma mère, tu devrais vouloir le meilleur pour moi. Comprends-le une fois pour toutes. Cette femme ne te convient pas. Elle va faire de ta vie un enfer. Je t'en prie. Daniela. Tu ne me convaincras pas, maman. De toute façon, je vais marier avec elle. Écoute, Santiago. Je ne pensais pas en arriver là. Mais si c'est ce que tu veux, eh bien, tu vas devoir choisir. Ou ta famille, ou elle. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça qu'elle ne fait pas la petite maline d'ailleurs. Mais tu sais, Ophelia ne changera jamais. Alors, de quoi tu voulais parler? Ah oui, c'est que... non, c'est juste que... Comment te dire? Eh bien, vas-y le plus naturellement possible, non? Allez, j'écoute. Oui, oui, en venant te voir, je savais exactement ce que je voulais te dire. Enfin, quel mot? J'ai l'impression que tu les as oubliés, tes fameux mots. Quand tu te rappelleras, fais-moi signe. Non, attends, attends. S'il te plaît. Non, mais je dois travailler. Je me lève tôt demain matin. Bon, allez, lâche le morceau. J'attends, allez. Allez, lance-toi, je te dis. C'est facile. Allez. Eh bien... Tu veux sortir avec moi? Écoute.
Écoute, arrête de m'embêter. Parce que si tu continues de me harceler, j'appelle la police. Et je te jure que j'ai des amis de très grande influence. Et ça peut aller très loin, je n'hésiterai pas. Sandra, c'est moi, Betty. Oh. Qui croyais-tu que c'était? Ah non. Non, non, ne me dis pas que quelqu'un te harcèle. Non, non, mais c'est terrible, vraiment. Sandra, réponds-moi, tu m'inquiètes. T'as pas le droit de me mettre dans cette situation, maman. Vois un peu ça dans l'autre sens. C'est toi qui n'as pas le droit de me faire vivre une situation pareille. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est égoïste. Écoute, Santiago, si tu t'acharnes à vouloir rester avec cette fille, tu peux commencer à oublier ton argent, ton travail, ta famille et tes amis. Parce que personne, personne ne va plus vouloir t'adresser la parole, sachant que tu vis avec cette souillon-là. C'est dommage que tu me dises ça, maman. Et que tu me forces à prendre une décision. Si c'est ce que tu veux, bien. Tu vas faire quoi? C'est elle que je choisis. Je prends Daniela. Mais écoute... Qu'est-ce que je peux dire à ça? Tu es très sympa et tout ça, mais... Mais je sors avec Santiago, on est ensemble. Oui, mais... Mais s'il te laissait tomber, alors... Ça n'arrivera pas. Mais si ça t'arrivait, tu vois, j'aimerais bien que tu me donnes rien qu'une petite chance. Tu sais, moi, je t'aime. Non, 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 ne dis pas ça. Tu es un garçon très bien. Tu ne vas pas accepter d'être la seconde roue du carrosse. Il doit y avoir des tas de filles qui meurent d'envie d'être avec toi. Oui, mais moi, personne ne m'intéresse, sauf toi. Écoute, tout ce que je te demande, c'est que tu me donnes un petit espoir. Laisse-moi t'attendre. Non. Pourquoi non? Mais si, mais... Je t'en prie. Bon, d'accord. Mais ça n'arrivera pas. Et tout va bien marcher avec Santiago. Et si ça n'allait pas? Je n'oublierai pas ce que tu m'as dit. Allô? Bonjour, ma chère, comment vas-tu? Bonsoir, Rebecca. Pardon de t'appeler aussi tard, mais je suis vraiment très inquiète. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Louisa? Voilà, Rebecca, toi et moi, nous sommes amis depuis des années maintenant. Et n'oublie pas que c'est moi qui t'ai présenté à notre cercle d'amis proches. Et tu n'as pas besoin de me le rappeler. C'est que ce que j'ai à te dire est très délicat et très grave. Et je dois compter sur ta discrétion. Souviens-toi que tu me dois bien ça, hein? Tu m'inquiètes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que quand Sandra vivait ici près de nous, en Espagne plus exactement, elle s'est entourée d'un groupe d'amis que l'on peut qualifier, disons, d'indésirables. Indésirables dans quel sens? Des gens pas du tout comme nous, Rebecca. Que puis-je te dire? Des bohémiens, des artistes, des gens de la télé, du théâtre, enfin, ce genre de gens? Non, ma chère, je ne sais pas, mais je peux imaginer. Et ne t'inquiète pas trop pour ça. Nous, on a exactement le même problème en ce moment avec Santiago. Mais détends-toi. Écoute-moi bien. Je suis sûre que le jour où Sandra et Santiago se fianceront, tous ces petits problèmes appartiendront au passé, au tien et au mien. Oh, j'espère, Rebecca. Si seulement Dieu t'entendait, rien ne me ferait plus plaisir. Bonne nuit, Louisa. Repose-toi bien. Quelle sorte d'amitié indésirable Santa peut-elle bien avoir eue? Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Dis-moi. C'est quoi ce grand sourire? Ils vont te libérer ou quoi? Ah non, ça c'est une peine perdue d'avance. C'est quoi la raison alors? Non, c'est encore bien mieux que ça. Enfin, j'en suis pas encore tout à fait sûr, mais si c'est ce que je crois, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis que je suis ici dans cette prison. Eh, je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est mon oncle, tu te souviens, cet homme-là, celui qui vient me voir? Oui, 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 bien sûr. Il semblerait qu'il ait enfin retrouvé ma fille. Non, vraiment, t'es sûr de ça? Vraiment? La petite qui s'est perdue quand ils t'ont attrapé? Mais oui! Ma petite Daniela, mon petit bébé! Ah, c'est chouette, vraiment. Non, sérieusement, je suis content pour toi qu'il l'ait retrouvé. Tu le mérites, Diego. Viens là! Ah, c'est cool, Diego. C'est cool. Je suis content. Merci. Ma petite fille. Sandra?
Tu aimes bien me voir comme ça, non? Laisse-moi te dire que c'est très gênant que tu sois dans ma chambre parce que je ne peux pas être libre de mes mouvements. Ça y est, tu sais où elle vit, la Souillon? Non, Sandra, je n'ai pas pu vérifier. Tout ce que je sais, par contre, c'est que Santiago est vraiment accro cette fois. Et quand il veut quelque chose, il obtient. Tu ferais mieux d'oublier. Moi, je n'oublie pas facilement ce qui m'intéresse. Et dans ce cas, c'est Santiago. Et ce n'est sûrement pas une pauvre fille inalphabète qui va changer ça. Tu n'en veux plus? Bon, je vais te coiffer alors. Regarde, Daniela. Qu'est-ce qui t'amène de si bon matin? Je t'ai apporté le journal pour que tu regardes les petites annonces. Ah, mais tu sais très bien que je ne sais pas lire. Mais Santiago t'apprend bien à lire, non? Allez, viens voir. Oui, il m'a un peu appris, mais pas beaucoup. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle a? Rien, ne fais pas attention. Non, dire que je sais super, super bien lire, ça, je sais pas. Allez, essaye au moins. Voyons. Oh. Ah non, je ne peux pas. Il y a des lettres que je connais pas. La seule chose que vous avez fait réussir, c'est me réveiller, bande d'incapables que vous êtes. Et surtout toi, diablesse de malheur. Fais-moi rire. Cherchez du travail. Alors que Carmelo n'attend qu'une chose, c'est de passer la bague au doigt pour qu'enfin on manque de rien par ici. Qu'est-ce que tu regardes? Tu sais que j'ai raison, hein? Arrête de parler de ce plan-là parce que ça me donne envie de vomir rien que d'y penser, tiens. Eh ben alors arrête de perdre ton temps avec cette bonne à rien et va travailler. Elle annonce cette bonne à rien. Allez, viens. Ici, on ne peut rien dire. Je sors. De l'air, de l'air, de l'air. Je te comprends, mais sincèrement, je ne peux rien faire. Moi, je crois que si tu peux. À moins que tu veuilles que je dise à ta mère, qui m'aime et m'adore, que son fils sort en cachette avec la bonne de la maison. Ou à ton père? Il en penserait quoi? Personne ne m'a vu. Oh. Ça, c'est faux. Et c'est vrai, hein? Tu es très mignon. Mais quelle idiote! Imbécile! J'espère que Santiago préférera Daniela à toi. Ne pas se présenter. Présenter! Ah, oui, oui! Mais enfin, tu es allée à l'école ou pas? Mais oui! Mais jusqu'en CE2 seulement, quoi? Tu te souviens pas que ma mère m'a enlevée parce que j'allais jamais à l'école? Oui, mais jusqu'en CE2, tu devrais savoir lire mieux que ça, non? Bon, écoute, ici, ils disent qu'ils cherchent quelqu'un avec une bonne présentation pour l'office de tourisme. Tu vis avec une bonne présentation? Oui. Tu en es très, très sûre? Oui, sûre. Enfin, sûre, sûre. Super, super sûre. Avec une certitude, comme... non. Et si tu demandais à ta mère? Non. Tu te rappelles qu'on avait dit qu'on lui ferait une surprise? D'ailleurs, viens d'ici, parce qu'elle va pas tarder. Elle va nous choper. Oui, mais ça dit une bonne présentation. C'est pour ça. Il faut qu'on te fasse belle pour que tu puisses te présenter, tiens. Et comment on va faire ça, du moins? Arrête de t'inquiéter, allez. Attends, continue à lire. Et alors dis-moi, Sandra, est-ce que tu te plais ici? Oh oui, très bien. Tu m'en vois ravie. Bonjour tout le monde. Bonjour chérie, ça va ce matin? Bonjour Anthony, vous voulez du jus d'orange? Oui, merci. Alors, Tony, tu ne vas pas dire à ta mère que tu es une petite copine maintenant? Mon chéri, mais tu ne m'avais rien dit du tout. Qui est-ce? Je la connais. Oh, fais attention, enfin. Oh, mon Dieu. Dis-moi, c'est cette jeune fille que tu avais amenée qui s'appelait... Comment c'était déjà? Ah, c'était... Non, je ne me souviens plus, mais son père était banquier. Non, maman, je ne connais aucune fille de banquier, moi. Chérie, tu connais plein de filles qui ont de la classe comme ça. Ne fais pas l'innocent, enfin, tu vas à l'université la plus chère de tout Mexico. J'aimerais bien. Je t'en prie. Tony, ou c'est toi qui lui dis, ou c'est moi. Ah, ça suffit maintenant. Tenez, j'ai une idée. Je sais.
Je vais aller chercher Santiago pour que tu nous racontes à tous. Ton père est parti, mais ce qui m'intéresse par contre, c'est que Santiago t'entende bien, pour qu'il voit que même toi, Tony, tu ne fricotes pas avec une espèce de... Enfin bon, je sais de quoi je parle. Merci, maman, oui. Je veux tout savoir, hein. C'est super. Mon pauvre, tu vas être pris en exemple. Toi alors, tu es un vrai petit cachotier, petit frère. C'est qui? Pourquoi tu as dit ça, Sandra? Je te l'avais dit. Tu ne m'as pas cru. Tu pensais que c'était une blague? Et comment t'expliquer? Pense plutôt à ce que tu vas dire. De quoi vous parlez? D'accord. Donne-moi un jour pour que je vérifie ce que tu veux savoir, ok? Tu as moins de 24 heures. Sinon, tu n'y échapperas pas. Je ne comprends rien. Vous n'allez rien me dire? Non. Non, on ne doit rien te dire. Ah, j'aurais dû mettre la robe que Santiago m'a donnée. Pourquoi? Ça t'est mieux, non? Non, ça va bien comme ça, je trouve. Allez, on le fait. Bonjour, madame. Je suis là. Nous sommes ici pour le travail du tourisme. Ah, c'est vraiment bien, hein? Eh oui, j'ai bien écouté comment ils parlent, les gens de là-haut, tu sais, comme Santiago. J'ai bien écouté sa mère, mais elle a pas de classe, son père non plus. Et cette Sandra non plus, elle en a, elle? Non, elle non plus. Allez, cours, cours, cours! Ah, allez! Santiago? Je peux entrer? Chérie? Où es-tu? Tu prends ta douche? Chérie, tu m'entends? Je peux entrer? Santiago? Quelle surprise, Santiago, tu es là de bonne heure. Je voulais être tranquille avec toi. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te parler, papa. Maman m'a fait une scène. Hein. Quoi? C'est pour cette fameuse fille? Daniela. Ah oui? Elle me demande de choisir entre elle et la famille. Et j'ai choisi. Papa, je veux connaître ta position parce que j'imagine que maman t'a raconté ce que je lui ai dit. Et si je dois choisir entre Daniela et mon travail, laisse-moi te dire que... Attends, ne t'emballe pas. N'essaie pas de t'expliquer, papa. Ma réponse est simple, je démissionne. Choisis Daniela. Encore loin, tu crois? C'est la bonne rue, mais c'est des kilomètres, hein? Ah oui. Hé, les filles, mais regardez-moi comme c'est mignon. Allez, viens, viens. Écoute, Santiago m'a expliqué que nous devons nous comporter comme des jeunes filles correctes, ne pas répondre aux hommes qui nous accosent dans la rue, d'accord? Alors on y va tranquillement, comme ça. Bon, ça va, j'essaye. Allez. Hé, les gonzesses, si vous voulez faire un tour dans les étoiles, je peux même vous faire aller sur la lune, mes beautés. Non, mais regarde-moi un peu cette paire de fesses, c'est pas de la rigolade, ça. J'en ferai bien mon 4 heures, moi. Non, ça suffit avec vos relâches déplacées, hein. Vous en avez pas marre, fichez le camp. Allez, viens, allez, allez, fichez le camp, je vous arrache les yeux, vous allez voir. Attends une petite minute, Santiago. Ce que ta mère t'a dit, c'est pour ton bien. On s'inquiète vraiment pour toi, tu sais. Cette famille a un statut, un prestige. Cette jeune fille va nous faire perdre tout ce que nous avons fait. Toutes ces années pour en arriver jusqu'ici. Maman est trop intolérante. Ce qu'elle fait, c'est de la discrimination. Et ça arrive aussi au bureau, papa. J'applique les règlements et je traite les ouvriers selon leur rendement. En plus, on ne parle pas du tout de ça, Santiago. On parle de la femme que j'aime, papa. Santiago, écoute. Tu crois vraiment que ça me fait plaisir ce que tu me dis? Tu es obsédé par une simple fille de la rue, mais tu ne te rends pas compte... Ne l'insulte pas, papa! Oh, calme-toi. C'est la vérité, je ne l'insulte pas. S'il te plaît, assieds-toi, d'accord? On va discuter tranquillement. Comme des gens civilisés et sans se disputer. Je ne sais pas si on peut. Je crois qu'on a des avis opposés. Mon fils, voyons. Réponds-moi très sincèrement, d'accord? Jusqu'où comptes-tu aller avec cette jeune fille? Tu as raison, papa. Ça ne m'était jamais arrivé. C'est pour ça que c'est la femme de ma vie. C'est la première fois que je rêve de quelqu'un, je pense à elle toute la journée. Tu sais quoi? Je veux me marier avec elle. Tu vois bien? C'est une vraie obsession, Santiago.
C'est un caprice. Tout ça parce que ta mère et moi, nous nous y opposons. Et c'est tout. Ça va passer, je te l'assure. J'ai compris, papa. Je ne perdrai pas plus de temps à parler de mes sentiments. Dis-moi si tu vas m'épauler ou si tu vas me tourner le dos comme maman. Mais non, je ne vais pas te tourner le dos, enfin. Qu'est-ce que tu crois? Je n'approuve pas vraiment ta relation avec cette jeune femme, mais bon... Tu es mon fils et mon héritier. Et tu fais un travail exceptionnel ici à l'entreprise. Si seulement tu la connaissais, papa. Mais justement, je la connais. Bien sûr que je la connais. Non, si tu la connaissais vraiment. Elle est si douce et si gentille. Elle est si belle, papa. Nous venons chercher nos billets, t'as vu? Ah oui, c'est vrai, je t'as bien compris. Ces idiots ne vont plus jamais traiter les femmes comme ça dans la rue, ça je te le garantis. Oui, c'est sûr, mais regarde notre look. On a l'air de sortir des poubelles. Tout ça, c'est de ta faute. Je t'avais dit de ne pas répondre. En plus, tu marchais en te tordant les fesses comme si... Enfin bref, tu sais bien comment... Et toi alors? T'étais comme un poisson dans l'eau, hein? Tais-toi. Et qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent, hein? À ce point-là? Oui, exactement, c'est après toi qu'ils en avaient. Oui, après toi, pas après moi. Et enfin, je sais qu'on a mis à genoux pour qu'ils nous disent pardon. Enfin. T'as raison, ça c'est vraiment cool par contre. Allô. Bonjour, nous venons pour le job. Pour le travail, je veux dire. Oui, on est là pour ça. Non, Santiago, non. Tu n'as aucune excuse. Et je te suggère qu'à cet instant même, tu l'appelles et lui demandes pardon. Mieux encore, je te la passe. Elle est en face de moi, je te la passe parce que je veux que tu lui présentes des excuses. Ce n'est pas normal que tu agisses ainsi. Tiens, ma chérie, on ne met pas dans un état pareil. Sandra, Sandra, non, reviens. Tu vois? Tu vois ce que fait ton frère? Tout ça pour cette fille, cette pauvre fille de rien du tout, qu'il tient complètement sous sa coupe. Je ne peux pas le croire. Il l'aime, maman, c'est différent. Par contre, Sandra, non. Et en plus, c'est de sa faute. Santiago ne lui a jamais donné de faux espoirs, ni fait croire qu'elle l'intéressait. Tais-toi, Karina. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Et pourquoi tu rigoles, Denis? Dis-moi. Ne viens surtout pas me dire que tu es d'accord avec ce qu'elle dit, quand même. Et qui est cette fille avec qui tu sors? Dis-moi qui c'est, réponds, tu veux que je me fâche? Maman, c'est... Non mais qu'est-ce qui nous arrive, Teresa? Ce n'est pas possible. Non, que vous êtes maladroite aujourd'hui. Et toi, lève-toi d'ici. Vous savez, on a vraiment besoin de ce job. Ça y est, on a déjà trouvé le personnel qu'on recherchait. Ça, c'est pas vrai. C'est juste parce qu'on n'est pas habillés comme vous, c'est pour ça? Je suis vraiment désolée, mais... Montez pas comme ça, vous n'êtes pas désolée, vous en foutez, oui. Vous pensez vraiment que si nous avions des vêtements comme les vôtres, nous aurions besoin de travailler? Oh, soyez gentil, s'il vous plaît. Au moins, laissez-nous essayer, voir si on peut, hein? Laissez-nous une petite chance, d'accord? Bien, je vais vous donner un numéro d'un autre bureau. Peut-être que là-bas, vous trouverez... Ah, merci! C'est mon ami là. Enfin, Daniela, je veux dire, elle doit payer pour sa mère et sa marraine qui est très malade. Et son papa, il est à l'hôpital et elle a deux enfants qui sont vraiment difficiles à élever. Non, elle a des tonnes de problèmes, hein. C'est terrible, hein, moi. Oui, je... tenez, tenez. Merci beaucoup, mademoiselle. Allez, Paulina, viens. À bientôt, madame. Vous êtes bien sur le portable d'Angelo. Baissez-moi votre message. Qu'est-ce qu'il y a, Diego? Rien. Non, pas de réponse. Bon, alors, il ne viendra pas. Il a dû arriver quelque chose, car il avait dit qu'il viendrait. Ça m'inquiète. Enfin, à moins qu'il se soit trompé, que la fille qu'il avait prise pour ma fille, ce ne soit pas elle. Mais non. Non, non, je suis sûr que ça ne doit pas être grave du tout. Allez, ne t'inquiète pas. Courage, Diego. Un peu de courage. Et si on a des vêtements comme ça, c'est parce qu'on n'a pas d'argent pour s'en acheter d'autres. Et c'est pour ça qu'on cherche un job. Enfin, un travail. Et à peine on en trouve un, on va directement faire les boutiques pour mieux nous habiller. Oui, bien sûr, je comprends. Et je vais vous aider, mesdemoiselles. Alors on peut commencer maintenant? Une minute. Tenez. D'abord, vous devez me remplir un formulaire. Ah, et faites attention, hein, parce que... dessus, vous indiquerez tout ce que vous demande l'entreprise pour vous obtenir un emploi.
personne va te voir. Ouais, tu vas voir. Regarde, il est là. Il est là, le prisonnier, avec de l'or plein les mains. Et là, c'est la fille qui veut pas m'écouter. Qu'est-ce que je fais? Coucou, ma reine, je suis rentrée. Eh bien, on peut dire que ça vous a pas pris longtemps de chercher du travail et dans ces guenilles. N'étonne pas, hein? De toute façon, c'était bien évident que vous alliez jamais trouver de travail. Michaela a mangé? Demande-le lui! Ou bien, c'est toi qui lui as donné? Vraiment, t'es qu'une vieille sorcière, hein? Une sorcière, moi? C'est elle qui ne fait rien toute la journée, qui ne m'écoute jamais. Depuis combien de temps je vous dis et je vous répète encore et encore que les cartes, elles sont pleines d'or? Et que Carmelo est là pour te donner tout ce que tu voudrais. Il pourrait même donner un boulot à Paulina. Hé, ne mets pas ça! Non, on n'insiste pas, Ottilia. Ne me parle plus de ce port. Maître, je suis très inquiet et très contrarié. Mon oncle m'avait dit qu'il viendrait, les visites sont terminées, il n'est pas arrivé. Diego, tu dois être fort. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je le savais. C'était pas ma fille, c'est ça? Non. Diego, ton oncle Angelo est décédé. Il a eu un accident de voiture. Je suis désolé. Mais t'es aussi têtu qu'une vieille mule. Non, pas une mule, un troupeau de mules même. Et tu sais pourquoi? Parce que les mules, elles ont un cerveau plus gros que le tien. T'as fini, non? Si on vit dans ce taudis, c'est à cause de toi. Tu arrêtes ou je vais prendre. Regarde-toi. Regarde comment tu vis. Tu dois donner à manger à ce légume, là. Et tu cherches du boulot dans ces fringues comme ça. Qui est-ce que tu veux duper? Ou tu te rends même pas compte que ton état est déplorable? Bon, ça suffit. Je suis comme ça à cause de toi. Si tu m'avais envoyé à l'école, j'aurais appris à lire et à écrire. Et en ce moment, j'aurais un boulot, c'est sûr. La ferme, espèce de pauvre ingrate. Si j'avais pas été là, toi et ton légume, vous seriez déjà au cimetière. Et ça serait ta faute! Parce que tu m'envoyais fouiller les poubelles pendant que tu passais tes journées à tirer des cartes de malheur. C'est pas ma faute si t'es qu'une idiote. Marie-toi avec Carmelo et arrête de faire des histoires. Je ne l'aime pas, il me dégoûte. Ou tu te maries avec lui? Le seul que j'aime, c'est Santiago. T'es aussi stupide que ta mère, qui est tombée folle amoureuse de ton père. Et ça l'a tué, la pauvre femme.